Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, ma chérie? Oui. Bon, super. Bienvenue à tous et à toutes. Désolée pour ces quelques petites minutes de retard. La collection ne voulait pas se faire. Voilà. Coucou, ça y est, tout le monde arrive. C'est génial. Héloïse, Nathalie, Valérie, ça va trop vite. J'ai pas le temps de voir tout le monde. Nadine, Muriel, Marianne, coucou ma Cathy, Fabienne, Émilie, Marotine, coucou tout le monde, hello Sandrine. Comment allez-vous? Coucou Laurence, Lily, t'es en train de me faire glisser. Coucou, hello Monique. Ah, t'as vu, tout le monde t'a dit bonjour ma chérie. Coucou. Ah, salut Jérôme. Coucou ma Sandrine, coucou Cécilia. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait une petite publication avec Lily. Du coup, voilà, elle va encore faire le live aujourd'hui. Ses papiers sont prêts, donc c'est bon. Coucou Viviane, coucou Pascal, il y a ta maîtresse. Coucou, oui Jérôme, pas de souci. Hello Dominique, bonjour Catherine. Oui, je sais, Muriel, Laurence se repose, elle a raison, il le faut, c'est indispensable. Coucou Annie. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme cet après-midi. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui me suivent chaque semaine et aussi bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoindraient aujourd'hui. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous pendant cette petite heure. Jérôme te fait coucou. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Un petit moment sympathique, tranquille, on ne se prend pas la tête, on prend du plaisir, c'est le principal. Voilà, donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ce live, faites-moi un petit coucou en commentaire. Merci Jérôme. Coucou Dominique, oui, tout va bien. Bonjour Patricia. Faites-moi un petit coucou donc dans les commentaires pour me dire voilà, je suis nouveau, nouvelle, c'est la première fois. J'espère que vous passerez un bon moment, en tout cas, ça c'est sûr. Si le live vous plaît, bah, écoutez, n'hésitez pas à le partager sur vos profils, sur vos pages préférées. Attention à ne pas le faire sur les groupes privés hein, de mes collègues, c'est pas très très sympa. Voilà, mais du coup. Passons un bon moment ensemble. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas quand même, je vais me présenter. Je suis Harmonie Marais. Je suis démonstratrice chez Stampin'Up depuis un petit peu plus d'un an. Coucou Chantal. Et donc chaque semaine, le mercredi à 14h, coûte que coûte, je suis là, je vous retrouve et nous partageons un live créatif pour découvrir des projets très simples en général, pour aussi découvrir des produits extraordinaires que j'aime par-dessus tout, les produits Stampin' Up bien sûr, et puis pour aussi une bonne tranche de rigolade, puisque certains et certaines chippies sont assez présentes et actives dans les commentaires, et du coup il y a souvent des bonnes tranches de rigolade, donc c'est un petit moment sympa, j'en suis sûre, je suis sûre que vous allez apprécier. Coucou Mumu, ça va ma belle? Bonjour Rachel. Et donc, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, de temps en temps, ma fille Lila, prénommée Lily, ah, t'as vu, on dirait qu'ils te reconnaissent, ça y est, voilà, elle fait les lives avec moi l'après-midi. Alors, vous la voyez pas toujours à la caméra, souvent elle est installée à côté de moi, elle a préparé tous ses papiers avant et puis elle scrape en même temps que moi, en même temps que vous. Voilà. Mumu, attention, hein. Donc, voilà. Il y a plein plein de nouveautés cette semaine, plein de choses qui sont en prévision. Je vais essayer d'être concise pour pas vous barber, hein, on est d'accord, parce que bon, après, c'est long à démarrer et tout, j'en suis bien consciente. Tu as Aude qui te dit bonjour, Aude Bonjour. James. Donc je vais essayer d'être concise, de vous donner les infos le plus rapidement possible. Ma prochaine recrue, elle a encore quelques années avant de pouvoir l'être. Ah, je pense que tonton Laurent va sortir un surnom. Coucou Virginie, coucou Béatrice. Lily, ouais, elle a tout préparé, nickel. Au top. Bonjour Angélique, bienvenue. Oh, regarde.
Coucou Coucou, Steph! c'est Eulalie. Ah, bah coucou Eulalie alors. Alors, les infos là, comme ça, il y en a plusieurs. Vous le savez, la semaine prochaine, vous allez pouvoir commencer à acquérir les produits du nouveau catalogue annuel. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui l'ont déjà en leur possession et qui craquent complètement, comme moi. Ça y est, j'ai commencé à travailler avec. En préparation donc pour les portes ouvertes. Donc les portes ouvertes, vous le savez, auront lieu de façon virtuelle sur un groupe privé. Je vais vous afficher ça tranquillement. Voilà, on voit plus que toi, Lily. Donc c'est le 8 et le 9 mai, d'accord, sur un groupe privé qui s'appelle les portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap. On se retrouvera à l'occasion de plusieurs lives sur ces 2 jours. Voilà, donc si vous voulez rejoindre ce groupe, ça sera avec plaisir. Attention, s'il vous plaît, il est indispensable de répondre aux questions et de lire les règles du groupe pour que je puisse accepter votre adhésion. D'accord? En ce moment, il se passe un petit truc sur le groupe d'ailleurs, un petit jeu. Mais je le garde secret. Vous verrez si vous demandez votre adhésion. Au groupe, mais un petit jeu qui a l'air de plaire en tout cas aux participantes. Voilà. L'autre information que j'avais de nouveau envie de partager avec vous, vous le savez, qui dit nouveau catalogue dit également nouvelles couleurs. Et les in-color là des 2 ans à venir sont extraordinairement belles et je suis sûre que vous les avez déjà vues passer. À cette occasion, du coup, j'ai ouvert, je vous en ai parlé mi-avril, un nouveau club, le club des Incolor, pour lequel, voilà, vous avez la possibilité d'acquérir un grand nombre de produits de ces couleurs, pardon, de ce panel de couleurs. Voilà, donc je vous affiche à l'écran, vous voyez un petit peu le détail. Pour en savoir encore plus, je vous invite à vous rendre sur mon blog harmoniescrap.fr. J'ai déjà beaucoup d'inscriptions, il reste encore quelques places. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas, c'est encore possible. Une presque dernière information, vous avez probablement vu passer l'info aussi, Stampin' Up lance une nouvelle promo pour les nouvelles démonstratrices à partir du 4 mai. Et là, ils vous font un truc incroyable, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai signé l'année dernière. Vous choisissez pour 207 euros de produit et vous n'en payez que 129. Vous ne payez pas les frais de port. Voilà. Et puis, ça vous permet de bénéficier de réductions, de pourquoi pas démarrer une nouvelle activité professionnelle, puisque voilà, c'est ce que j'ai fait maintenant. Je suis à 100% chez Stampin' Up et très heureuse du coup. Merci les filles. Merci Steph. Donc voilà, j'en ai fait mon activité principale, mais voilà, que vous vouliez ou simplement profiter pour acquérir vos produits à des tarifs plus intéressants dès la semaine prochaine, donc vous avez cette promo. Alors, bougez pas, c'est pareil. Je vous mets ça, voilà, vous choisissez 207 euros de produit, vous n'en payez que 129. Donc, si ça vous dit pourquoi pas rejoindre mon équipe, de venir travailler avec moi ou échanger et voilà, avoir cette joie-là, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Ok? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Bah écoutez, je pense que pour l'instant c'est pas mal. On va quand même maintenant s'intéresser au projet créatif du jour, qui est donc une carte toute simple à pliage original. J'ai travaillé donc la carte de présentation avec la collection Cactus. Bonjour Ange, bienvenue! Voilà, donc ça j'ai utilisé les chutes derrière, un bandeau tout simple. Et donc une ouverture un petit peu sympa qui laisse dévoiler à l'intérieur. Alors attendez, hop, je vais couper ça, vous verrez mieux. Ah, c'est drôlement mieux. Voilà. Ça fait un petit panneau comme ça. Et donc vous voyez, c'est tout bête, vous allez voir, je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà. Donc ça, c'est avec la super collection Cactus.
Je vois que vous êtes hyper nombreuses aujourd'hui, c'est super, je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Et du coup, eh ben, je vous propose que je retourne ma caméra, ou que je bascule sur la deuxième plutôt, et puis qu'on commence le projet. Ça marche? Alors ne vous inquiétez pas, si jamais vous êtes un peu perdu au moment de la réalisation, pas de panique, vous aurez à disposition le replay de la vidéo, d'accord? Vous aurez également la fiche technique sur mon blog, comme d'habitude, hein, un petit moment pour que la vidéo charge bien sûr, mais vous aurez donc dans l'article de blog la fiche technique que vous pourrez télécharger, d'accord? Pour pouvoir reproduire après tranquillement. Ok? Donc pas de panique, on y va tranquille. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir cet après-midi. Ok? D'accord? Oui. Moi, je vais aller à côté, je vais faire ma carte, du coup, au revoir. Ah, tout à l'heure, tu montreras ta carte quand elle sera finie? Oui. Ça marche. Allez, vas-y, va t'installer, on va y aller. Alors, c'est parti. On bascule sur l'autre. Et voilà. Ah, bah vous voyez donc à l'image, aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Colline d'Hortensia que j'aime beaucoup. Alors, c'est bon pour tout le monde. Alors, vous inquiétez pas, j'ai ma petite Sandrine chérie qui est là et qui vous remettra les mesures si jamais vous avez besoin dans les commentaires. Sandrine te dit à tout à l'heure, Lily, scrape bien. Ok? C'est parti. Donc, vous aviez dans la fiche de présentation les mesures des papiers dont vous aviez besoin. Merci, ma Cathy. En replay, Annie, ouais, il n'y a pas de souci. Prenez le temps, profitez. Un petit café, un petit thé, on s'installe, on se pose et on y va. Ça marche? Super. Oui, Maroutine, pas de problème. Je vous montrerai. Balila vous montrera sa carte elle-même d'ailleurs. Ça marche, pas de souci. On fait ça. Coucou Dominique, comment allez-vous? C'est super. Allez, on y va? C'est parti? C'est parti. Donc, celle-ci, la carte de présentation, hop, les cactus, je vous la remontre ouverte comme ceci. Voilà, très simple, très sympa. Et puis du coup, on rajoute du papier à l'arrière pour que l'on puisse écrire notre petit mot. Je vais la garder là sous la main, comme ça je pourrais vous la montrer si besoin. Alors, je vais mettre ce dont je n'ai pas besoin tout de suite de côté. J'ai tout préparé, mes petits trucs à l'avance. Bonjour Geoffrey, bonjour Virginie, comment ça va? Comment vont mes... Oh! Je perds tout à force de faire des bêtises. Je mets ça de côté, voilà, et donc je vais prendre ma base de cartes. Coucou ma Clem, ça va ma belle? Ok, alors pour le papier, il vous fallait pour la base de cartes un morceau de 30,5 par 14 cm. Ok, 30,5 par 14 cm, et donc ça sera la base de notre carte. Ok? Alors, n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur les couleurs, sur le projet, pour poser des questions, ou pour dire que ça vous plaît ou pas. Ou... Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et puis qu'on puisse échanger ensemble au maximum. Ça marche? Alors, je viens de perdre tous vos commentaires. J'espère que je suis toujours à l'image. Je vous demande 3 secondes, voilà, on va reconnecter tout ça. Hop, 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 que je puisse quand même répondre à vos commentaires. Alors, c'est parti. Voilà. Hop. Ah, bah voilà, ça y est, je suis de retour. C'est bon, super. Alors, je prends mon coupe-papier et c'est parti. Bah, peut-être que je vous ai perdu aussi en cours de route. Bonjour Nadine, bienvenue. Non, c'est bon, vous avez l'air d'être là? Ok, on y va. On y va, on y va. On prend le coupe-papier et on s'apprête à faire nos premiers plis, donc sur...
Alors, si on n'a pas de feuille 30-30, c'est un petit peu plus compliqué puisque les mesures sont faites à partir de ça. Après, on peut tout diviser, par exemple, par 0,5 ou par 1,5 pour adapter les mesures. OK? Alors, hop, voilà, on y va? C'est parti. Tu aimes bien les cactus, pas Béatrice? Ouais, c'est vrai que cette collection était sympa. Ah, oh, coucou Lucie, ça va? Encore très tôt ce matin, une courageuse, hein? Lucie, nous regarde depuis le Canada. Allez, hop, c'est parti. On y va, on commence les premiers plis. Donc, on prend le papier, donc la partie la plus longue en haut. Sandrine? Ok, ça marche. Donc, Sandrine vous donnera les mesures en A4 dans le groupe privé des VIP. Eh bien, Lily, elle est juste à côté. Elle est sur le bureau. Je ne sais pas si je peux tourner ma caméra. Elle est là, juste là. Et elle fait sa carte en même temps. Voilà, je recale ça. Oui, une vraie petite coquine. Bonjour Nathalie, comment ça va? Allez, on y va. C'est parti, on avance. Le premier pli est à 5,1 cm. C'est parti. 5,1 cm. On y va. On fait notre premier pli à 5,1. Le second pli à 10,2. 10,2. 5,1, 10,2. Le troisième pli à 20,3. Coucou Fabienne, ça y est, t'es là, super. Ça va ma belle? Alors, je répète les trois premiers plis, 5,1, 10,2 et 20,3. Et le dernier pli à 25,4. 25,4. Ça marche? Bientôt, vous allez voir apparaître, j'en suis sûre. Je le sais. Les mesures de ces plis dans les commentaires, voilà, je le savais. C'est une vraie, c'est de la magie en fait. Ok, en fait, les plis pour la base de cartes, c'est bon, c'est fait. Ok, maintenant il va falloir en fait donner, enfin couper, vous voyez, en gros, voilà, c'est très simple. Je vous montre ici. On a la base de cartes. OK? Et bien, vous voyez, il va simplement falloir couper en diagonale. Et donc, pour ça, je vais vous donner la magie. La magie. Je viens de lire le commentaire. Je vais vous donner les mesures, ça sera mieux. Je vous donnerai bien la magie, mais je vais avoir du mal. C'est pas moi la magicienne. Alors, pour cela, on se munit d'une règle et d'un crayon de papier. Pour avoir un crayon de papier, s'il te plaît. Oui, voilà un crayon de papier, ma chérie. Merci. Je prends. Oh bah, ma grande règle, parce que mon fils m'a piqué la mienne. Elle est très très grande, hein. C'est pas la plus pratique, mais bon. Bah non, non, Lily, garde la petite, y a pas de souci. Garde l'autre. Alors, nous allons venir faire deux marques ici, à gauche et à droite, dans un premier temps. D'accord? Donc, les mesures sont les mêmes. Je viens simplement faire une marque à 7 cm. Je ne vous dis pas, elle me passe sous le bras la règle. Je viens faire une marque à 7 cm. Hop, depuis le haut vers le bas. Juste une petite marque ici. Et je viens faire de même à la droite de mon papier. Toujours depuis le haut vers le bas. À 7 cm. Ok? Bon, c'est pas compliqué, hein? Et maintenant, il suffit. Bonjour Laure, comment ça va? Un peu de retard, on vient juste de commencer, c'est pas grave, tu verras en replay, il n'y a pas de problème. Et donc, alors, soit vous y allez directement, donc au ciseau
ou au coupe-papier pour couper la diagonale, soit pour celles ou ceux qui sont débutantes, vous pouvez venir tracer votre diagonale pour ensuite la couper. Ok? Pour cela, nous allons rejoindre. Alors, je vous montre. Je vais faire marquer le pli comme ça. Nous allons rejoindre donc la marque que nous avons faite à 7 cm. Ok? Et nous allons rejoindre le deuxième pli. Vous voyez, j'ai un pli, deux plis. D'accord? Donc, je vais venir rejoindre la marque que j'ai faite ici à la pointe du premier pli ici. D'accord? Je vais le tracer, comme ça vous aidera à mieux voir. Donc, je vais remettre la lumière ici. Voilà. Je me prends ici à ma marque. Hop, et je viens tracer très légèrement la diagonale. Voilà. Ah non, je fais un live par semaine pour l'instant. Coucou Stéphanie Genevaz, bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. Je suis ravie de vous accueillir. Donc voilà, ma diagonale est tracée. Alors, j'aimerais que le zoom se fasse un peu mieux. Est-ce que ça va se faire? Je suis trop près. Et si je coupe ça? Bougez pas. Est-ce que vous voyez mieux? Donc, j'ai mes deux plis, j'ai tracé ma diagonale depuis ma marque ici à 7 cm jusqu'à la pointe du premier pli ici. Et je fais pareil sur la partie gauche de ma carte. Donc, je me positionne ici à la marque à 7 cm et je viens tracer ma diagonale, hop, jusqu'à la pointe du pli intérieur. Voilà. Ok, je vais vous montrer le schéma comme ça sera plus simple parce que du coup le zoom se fait pas très bien. Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok? Maintenant, il suffit de couper la diagonale, tout simplement. Donc pour ça, évidemment, soit on prend les ciseaux, soit on prend le coupe-papier. Vous faites vraiment ce avec quoi vous avez l'habitude de travailler. Voilà, comme ça va tout le monde? Vous arrivez à suivre pour l'instant? J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Alors, Eulalie, je suis contente que tu passes un bon moment avec nous, dis donc. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec donc exactement la même chose que la carte que nous avons ici. Cathy, ouais, les micros sont tout prêts. En fait, du coup, effectivement, tu dois entendre Lily couper et tout ça. On s'assure que tout est bien droit et on vient donc marquer nos plis avec notre plioir. Donc, vous voyez, la plus grande partie, je la plie à l'intérieur et l'autre vient se replier vers l'extérieur, à l'opposé, comme ceci. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Le premier pli vers l'intérieur et le second, hop, j'en prends qu'un morceau, ce serait mieux, vers l'extérieur. Et voilà. Lucie, tout va bien, ça je suis contente. Au calme. Oui, vous êtes calme aujourd'hui, mais c'est bien. Tant que vous m'en faites pas voir de toutes les couleurs, les chippies. Et voilà, du coup, vous voyez, ça y est, on se retrouve avec notre base de cartes. Vous avez vu, c'est tout simple, hein, mais du coup, ça donne un super effet hyper sympa, hyper original. Voilà, c'est vrai que c'est très calme. Bah oui, peut-être qu'elles n'osent pas faire des bêtises, les chippies, parce que Lily est là. Allez savoir. Ok, bien. Maintenant, on va s'intéresser
au papier design. D'accord? Donc vous voyez ici, j'ai pris deux feuilles en fait. Voilà. Recto verso. Mais là, vous prenez exactement les papiers que vous voulez. Vous faites plaisir. Ok? Ça marche? On y va? Allez, on y va. Il vous faut des morceaux de papier design de différentes mesures. Il m'en manque deux, ils sont là. Alors, bougez pas. Cathy, t'embête pas à tout noter, il y a la fiche technique après, ma belle. Sandrine, t'exagères. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Fais voir. Eh ben, c'est très bien. Non, c'est bien, tout va bien. Pas de panique, on ne panique pas. Oui, oui, mais c'est très bien. Pas de panique. Alors, nos morceaux de papier design. Ok? Dans la vie, il y a des cactus. Oui, oui, non, 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 je ne rentrerai pas là-dedans. Il vous faut 4 morceaux de papier design qui mesurent 4,8. Par 13,3. Et ces morceaux-là, il vous en faut 4. Ok, 4,8 par 13,3. Donc là, j'ai mes 4 morceaux. Ok. Et il vous en faut 2 autres. D'accord, 2 autres. Qui font toujours 4,8, mais cette fois par 10 cm. 4,8. Par 10 cm. Ok? Ces morceaux de papier vont simplement venir décorer nos panneaux ici et là. D'accord? Donc vous voyez, je vous montre. Mes 4,8 par 10 vont venir sur l'avant. D'accord? C'est pourquoi il m'en faut 2. Ok? Et ensuite, les 4,8 par 13,3 vont venir ici et ici, ici et ici. Voilà pourquoi il vous en faut 4. D'accord? Vous pouvez aussi décider, si vous le souhaitez, que ces panneaux ne seront pas en papier design, mais en papier blanc, par exemple, ou resteront dans la couleur du papier uni. D'accord? Vraiment, sentez-vous à l'aise avec votre création et avec vos choix de papier. Ça marche? Ok? Alors, vous vous en doutez, il va falloir faire des petites découpes hein, pour que, bien sûr, notre papier prenne la forme de notre base de carte. Ok? Alors, pour cela, dans un premier temps, je prends les deux morceaux de 4,8 par 13,3. Et je vais les mettre dos à dos. C'est donc là qu'il s'agit de décider quel est le sens du papier que vous choisissez. Donc moi, sur mes grands panneaux, j'ai décidé que ça sera la partie ici la plus claire qui sera visible. Donc, pareil de l'autre côté, donc je mets mes papiers dos à dos. Je vois plein de commentaires défiler, mais j'arrive pas à tout lire. Ok. Donc les 4,8 par 13,3, j'en prends 2, je les mets dos à dos, ok, en gardant en face visible le papier design que je veux voir sur ma carte. D'accord? J'espère que je suis claire. Bien. Je viens les poser correctement l'un sur l'autre. Hop. Voilà. Et je vais faire comme tout à l'heure, en fait, venir faire une marque pour ensuite faire ma diagonale. L'autre option qui est possible de faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je prends ma base de carte. Ici, je viens les positionner. Ok. Alors, bien droit. Hein. Tant qu'à faire. Bien, bien droit. Je viens les positionner à l'emplacement prévu. Comme ceci. Et on peut
tout à fait venir faire une marque pour tracer la diagonale. Si jamais vous ne souhaitez pas faire comme ça, vous faites simplement une marque à 10,2 en partant du bas cette fois. Je me base en bas et je viens faire une marque à 10,2. C'est bon pour vous? Vous arrivez à suivre? Donc là, moi, je vais me mettre ici. Voilà. Là. Et je vais laisser une petite marge. Vous voyez, je ne vais pas aller tout à fait à la pointe. Je vais laisser quelques millimètres. Voilà, 1 ou 2 millimètres ici. Et je vais couper ma diagonale. Coucou Manon. Donc je rappelle, si vous voulez la mesure exacte, je me base en bas de mes papiers, d'accord, en les mettant dos à dos. Je pars d'ici, je mesure 10,2. Je viens tracer ma diagonale en laissant ici depuis le haut 1 ou 2 mm. Et je coupe en diagonale. C'est bon pour tout le monde? T'as compris Lily, toi? Ouais. C'est bon pour toi? Ouais. Ah bah c'est nickel, alors si c'est bon pour toi, c'est que ça doit être bon pour les autres. Et on vient couper. Annie, il n'y a pas de souci, oui, en replay bien sûr. Si, c'est bon. Pas de panique, Lily. Tout va bien, ma biche. Je comprends pas dans les commentaires pourquoi est-ce que vous parlez de grève de la faim. Et voilà. Et du coup, on a bien nos papiers design qui vont entrer sur nos panneaux. C'est bon pour vous? Eh bien, tout simplement, on fait la même chose pour les deux autres morceaux de papier de 4,8 par 13,3. OK? Donc ça, je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà, encore une fois, vous décidez du papier que vous souhaitez voir apparaître parce que tu veux pas chanter. Donc, vous me faites du chantage à la grève de la faim pour que je chante? Non, mais... C'est une blague? Elles sont folles. Mon Dieu, elles sont folles. Allez, je viens faire ma marque. Cette règle est vraiment beaucoup trop grande. 10,2 depuis le bas vers le haut. Je fais ma petite marque et je viens tracer ma diagonale. Et m'inscrire sur moi. Angélique, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de répondre aux questions et je me ferai un plaisir de vous accueillir dans le groupe. J'espère que vous avez passé un bon moment, même si c'était que quelques minutes. Et du coup, bah, bel après-midi à vous. Béatrice, t'as vu ce qu'elles me font subir là? La grève de la faim. Ah, ça sonne à la porte. Ça s'appelle un livreur UPS. Merci Lily. Hop. Et ben voilà, à rigoler et à faire des bêtises, et ben du coup mon papier, je l'ai pas mis dos à dos. C'est ballot. Vous m'avez perturbé avec vos bêtises de grève de la faim. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est que là, hop, je vais prendre ces deux-là, du coup, qui sont dans le bon sens. Alors, entre vos bêtises là et le livreur UPS, et ben moi, voilà. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Allez, bon. Ce que je vais faire ça. Je vais modifier donc le sens de mes papiers. C'est pas grave.
Voilà. Hop, hop, hop. Et du coup, je vais utiliser l'autre papier ici, comme ceci. Vous n'êtes pas gentil, ça vous fait rire que je me sois trompée. Bah voilà, la boulette. La boulette. On va faire ça, on va faire ça. Pouf. Ouais. Allez, on va faire ça comme ça. Du coup, on ne se trompe pas, hein? On n'oublie pas de mettre ces papiers dos à dos. Au moins, vous avez l'expérience en direct. Donc, mon papier va venir ici. Et pour les morceaux de papier, donc de 4,8 par 10, donc pour les panneaux avant de la carte, je viens faire une marque cette fois-ci à 6,7. L'erreur vaut une chanson. Bah oui. Le dieu de la chanson m'a puni. Alors, la fin de semaine, ici, les portes ouvertes, Lucie. Le premier live, le 8, il est à 10h. En gros, je fais 10h, 14h, 16h le samedi et 10h et 14h le dimanche. Voilà. Non, Lily, elle s'est pas trompée en plus. Donc, je disais 6,7 depuis le bas à droite. Hop. Je vois rien du tout. Hop. 6, 7 depuis le bas à droite vers le haut. Et on trace la diagonale. C'était bien ça, ma chérie? De comment? C'était bien monsieur livreur UPS? C'est pas UPS, mais oui. Ah bon? Même principe, ma chérie, sauf que là, c'est 6,7 la mesure depuis le bas à droite. Ça marche? Merci, oui. Et du coup, j'ai fait des bêtises à cause de tout le monde là. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre mes papiers dos à dos. Oui, c'est la règle, elle est trop grande, mais. 6,7 depuis le bas à droite vers le haut. Là. Ça va tout le monde? Vous arrivez à suivre malgré toutes ces grosses bêtises là? Hein? Ça va, je vous ai pas perdu. Tout le monde est là. Tout le monde arrive à suivre. Ok. Bien, ben maintenant tout simplement on vient coller nos morceaux de papier design ici. Voilà. Dans un premier temps. Mais non, t'es pas en retard, tout va bien, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon tout le monde. Alors pour celles qui sont en train de faire en live en même temps, est-ce que tout va bien? J'espère que vous n'avez pas suivi ma bêtise. Bon, ceci dit, j'avais bien répété de le mettre dos à dos. Donc, bon, il s'agit d'inattention et d'histoire de grève de la faim. Voilà. Allez, hop, un petit peu de colle. C'est tes papiers qui ont fait grève de la faim. C'est mes papiers qui font grève? Ouais, c'est mes papiers qui font grève, oui. Voilà, je viens coller mes petits panneaux. Nous, on suit imperturbable. Hein, bah oui, surtout quand on ne scrape pas. Là. Bien. Alors, donc je vais voir tout à l'heure pour si je remplis ce panneau ou pas. En même temps, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas indispensable. Le câble n'est pas resté longtemps alors. Eh bien oui, on est bien d'accord. Faut toujours qu'il y ait un moment où ça parte en cacahuète. J'espère que les nouvelles personnes qui rejoignent le live aujourd'hui pour la première fois ont tenu le choc et sont toujours présentes et ne se sont pas sauvées en se disant qu'est-ce que c'est que ce live de dingue. Ici, je vais coller un morceau de papier que j'ai au préalable poinçonné avec un set que j'adore, qui sert à faire des petits pointillés tout autour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, un petit cadre en couture
qu'on fait avec ça. Voilà, il y a plein de dimensions, ça ne coupe pas, hein, ça embosse tout simplement. Ça fait juste des petites coupures au niveau bah, des coutures en fait, tout simplement. Et ça, bah, alors j'en suis complètement fan. Ça s'appelle Poinçon Fantasy Surpiqué. C'est un set de poinçons qui est juste extraordinaire. Moi j'adore et j'adore l'effet que ça donne. Donc là, vous voyez, je l'ai fait sur mon papier blanc tout simplement. Ensuite, j'ai tamponné mon hortensia que j'ai colorisé avec les blends. Donc ici, horizon de bruyère et vert olive. J'ai donné un petit coup de brillant évidemment avec mon chouchou Wink of Stella. Un petit peu de brillant, je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Ah si, je crois qu'on l'aperçoit. Voilà, l'hortensia brille. J'ai rajouté le sentiment qui fait partie de la collection Colline d'Hortensia également. Et je viens le mettre à l'intérieur, comme ça, le petit message et le reste de l'hortensia va venir se dévoiler à l'ouverture de la carte. C'est vrai, Laurence, t'as jamais été là en direct? Ça alors? Bah écoute, ça me fait plaisir. C'est vrai, j'avais pas réalisé que tu regardais toujours un replay, ma belle. Bon, bah j'espère que ça te plaît alors, du coup. Et voilà, du coup, ça va donner un super rendu à la carte. Je me suis éclatée à préparer ça. Oui, oui, le Wink of Stella, forcément, ça donne tout de suite une dimension extraordinaire. À l'arrière de ma carte, je vais tout simplement rajouter un morceau de papier blanc parce que bon, la carte est probablement destinée à quelqu'un, donc il faut avoir bien sûr la place de lui mettre un petit mot. Voilà. Donc on peut aussi s'amuser à le tamponner un petit peu si on en a envie. Hop. Tout simplement. Voilà. Vous avez vu déjà ? Tout simple et j'adore moi l'effet que ça donne à l'ouverture. Et puis finalement le fait qu'il n'y ait pas de papier design à l'intérieur, moi ça me choque pas parce que du coup ça laisse vraiment toute la dimension à cette hortensia magnifique. Donc finalement voilà, c'était une boulette qui n'en était pas trop une finalement. Vous avez vu sur la première carte, il y a un bandeau de fermeture pour maintenir les panneaux fermés. Pour cela, il vous faut une bande de papier qui mesure, elle, 21,6 par 2,5 cm. Merci Nicole, c'est gentil. Ça me fait plaisir. J'espère que vous passez un bon moment, du coup. Alors, je vais tout simplement positionner comme ça ce bandeau de fermeture, d'accord, autour de ma carte. Et je vais lui donner le pli, mais à la main, sans trop serrer, ok, pour que ça puisse glisser plus facilement. D'accord ? Donc, on ne serre pas trop fort cette bande, ok, pour que ça puisse glisser tranquille. Et puis là, bah, on vient simplement mettre un petit point de colle ici à la base de ce papier uni. Attention, n'oubliez pas, on ne serre pas trop fort. On s'assure que c'est bien droit pour qu'on puisse glisser cette bande facilement et qu'on ne soit pas embêté à ce que ça arrache le papier ou que du coup on soit obligé de forcer pour l'ouvrir. D'accord ? Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que cette partie, du coup, où il y a la pliure, je vais la ramener devant. Et comme je vais mettre un embellissement... Attendez, je suis palmée aujourd'hui. Comme je vais rajouter un embellissement dessus, je vais pouvoir cacher le raccord ici. Ok, vous voyez ici, sur ma bande, là, on ne voit pas le raccord, puisqu'en effet, il est là. Et donc, il est caché par mes jolis cactus. Et bien là, je vais faire pareil pour cette carte-là. Et pour cette carte-ci, donc là, vous voyez, ça glisse hein, facilement parce que vraiment, je n'ai pas trop serré ma bande. Hop. Vous voyez, ça passe,
ça glisse tout seul, c'est vraiment important. Et donc, pour cacher mon petit raccord, j'ai préparé une découpe avec les poinçons Hortensia. Et j'ai les petites feuilles collées par-dessus en 3D. Et j'ai rajouté des petites perles et évidemment du Wink of Stella dessus. Ça va ma Lily? Oui. Alors Lily, elle gère super bien. Et du coup, je vais venir coller ce magnifique Hortensia blanc ici. Merci ma Lily. Je vais venir le coller ici. Mais, oups, pour mieux cacher encore ce petit raccord, vous pouvez prendre un morceau de papier design qui mesure 9,9 par 2 cm. Merci ma Lily. Je l'avais oublié. Et on va venir le mettre ici. Ça va maintenir tout ça. Ça va décorer la bande de fermeture. Et ensuite, on peut mettre notre embellissement. Et voilà. Et du coup, je viens mettre mon magnifique hortensia devant. Voilà. Alors, je le manipule avec délicatesse puisqu'il est très très fin. Donc, je vais venir le coller avec des dimensionnales ici. Et je vais voir ce que ça donne. J'ai préparé un petit nœud. Ouais, je pense que ça peut le faire. Donc, mes dimensionnales se sont sauvées. Et non, ils sont là. Je vais les couper. Ça, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, mais si vous avez des dimensionnales, les bords, pouf, vous les coupez au ciseau. Et du coup, vous n'avez aucune perte. Hein, la petite astuce, surtout, ne les jetez pas. Hein. Toute la bande, là, voilà, vous venez couper au ciseau et vous les récupérez. Comme ça, c'est nickel. Et je viens les coller à l'arrière. Voilà. Donc là, ouais, c'est bon. Je m'assure que tout va bien par rapport à la bande. Voilà. Yes. Nickel. Et du coup, je vais lui rajouter un petit nœud. Toujours dans les mêmes couleurs. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Pour ça, je vais prendre mes glue dots. Les petits points de colle qui sont idéaux pour coller les rubans. Voilà. Et du coup, je vais venir mettre mon petit ruban ici. Pour habiller un petit peu mon hortensia que j'ai fait tout blanc. Et voilà, je vais rajouter une petite touche avec les petites perles pastel, pareil, hein, qui sont avec la collection Colline d'Hortensia. Vous voyez, c'est des perles qui sont magnifiques. On va venir les poser. Pauvre banquier. Oui, oui, je vais vous montrer la carte de Lily, il n'y a pas de souci, il ne bouge pas alors. Elle est en train de poser ses petites perles aussi. Du coup, elle va revenir avec, avec sa carte. Allez, des petites perles ici pour décorer le bandeau de fermeture. Voilà, histoire de l'habiller un petit peu plus. Hop. Et puis, je vais en mettre une autre sur le bas. Tiens, elle est collée au doigt. Merci Anita, c'est gentil. Ouais, la collection est juste magnifique. Hein. C'est pas difficile de travailler avec. Hein, parce que du coup, déjà, elle toute seule, elle est extraordinaire. Donc, quoi qu'on fasse avec, ça donne un truc magnifique. Pardon, ma chérie. Oui, tiens. Eh bien, voilà. Ça va? Tu veux que je t'aide à les... C'est bon pour toi? Oui. Ok, bougez pas. Lily arrive. Elle revient parmi nous. Je remets ça ici. Alors, j'avais prévu une petite étiquette avec un sentiment. Du coup, je ne sais pas si je vais le mettre ou pas. Ça peut être pas mal ici. On va voir.
C'est bon? Oui. Allez, bougez pas. Voici, hop, la carte de Lily, ici. Vas-y, je t'en prie, ouvre-la. Au-dessus, là, ma chérie, parce que du coup, elle a fait aussi avec la collection Cactus. Avec son petit bandeau de fermeture aussi. Tu veux que je rallume? Voilà. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Et voilà. Bonheur infini aujourd'hui et toujours. Donc Lily, elle a fait ce qu'il fallait. Elle a avec ses papiers. Elle s'est pas trompée. Voilà. Elle a fait sa petite carte cactus comme une grande. Et voilà, avec le petit bandeau. Pareil. Nickel. Laisse-la, tu peux la laisser là, ma chérie. Et du coup, vous avez la version Hortensia ici, donc. Donc avec le bandeau de fermeture très habillé avec l'Hortensia. Ta maîtresse te dit bravo Lila. Merci. Et du coup, avec l'Hortensia qui est dévoilée à l'intérieur. Oh. T'as des félicitations tout le monde, ma chérie. Bravo, bravo. Allez, hop, et bien voilà. Notre carte à pliage originale est terminée. Du coup, vous avez eu droit à plusieurs versions en même temps. Je suis très contente d'avoir partagé cela avec ma Lily. Merci ma choupette et bravo parce que tu as Yeah, fait une super carte. Franchement, je suis fière de toi. Voilà, j'espère que du coup ce live vous a plu. J'espère que vous, oh là, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci Stéphanie, c'est gentil. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah. C'est top. J'espère que vous avez passé un petit moment de détente en notre compagnie. J'espère que c'était agréable pour vous. J'espère que vous avez pris plaisir à... Merci Françoise, que vous avez pris plaisir à la réaliser ou à nous suivre, tout simplement. Merci Marianne, c'est gentil. Et puis ben, pour celles et ceux qui regardent la vidéo en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire pour me dire coucou en replay. Et puis montrez-nous, maintenant que Lily vous a montré la sienne, hein, maintenant va falloir nous montrer vos créations, hein, faut pas hésiter, hein. Donc on n'oublie pas le hashtag HarmonyScrap quand vous publiez vos créations, comme ça je suis notifiée et je peux moi aussi voir vos belles créations. Ma mumu, oui, je suis désolée. J'espère que tu as réussi à voir, hein. Bon, c'est super. Merci Rachel. Merci Fatih. C'est cool. Merci beaucoup. On a passé un super moment en votre compagnie. Telle mère, telle fille. Merci Céline. Merci Virginie. Oui, je peux pas la renier, hein. Là, il n'y a aucun doute. C'est bien la mienne, celle-là. Et puis bah, n'oubliez pas hein, tout ce que je vous ai dit en début de live, les portes ouvertes virtuelles les 8 et 9 mai, le club des Incolor, allez sur harmoniescrap.fr dans la page, les onglets du haut, le monde en version Incolor d'harmoniescrap. Voilà, vous avez la possibilité d'adhérer au club encore pendant quelques jours. Et puis les promotions, donc pour les nouvelles démonstratrices, si vous avez envie de me rejoindre et de travailler avec moi, et de devenir vous aussi démonstratrice, soit pour vous, soit pour une nouvelle activité, je serai ravie de vous accueillir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi. Profitez-en, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Et puis, bah, tout simplement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Donc, comme d'habitude, en fin de semaine, la nouvelle publication de l'événement, le Sunday Challenge le dimanche, et puis le petit jeu, du coup, sur les portes ouvertes. Voilà! Le monde entier est un cactus! Voilà, Muriel! Vous êtes des vrais chippies, mais je vous aime fort. Merci beaucoup. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Et surtout à la semaine prochaine. D'accord? Allez, bye Au bye. revoir. Merci Lily. Bisous tout le monde.